Et voilà les gens, c'est Defiolo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing. Ça y est, on reprend les vidéos et aujourd'hui on se retrouve pour la première course de Truck Series que l'on va faire, la saison de Truck Series que l'on va disputer. Eh bien cette saison pendant à peu près 10 courses puisque les 3 premières sont déjà passées et je crois que c'est des semaines à 12 courses. Donc grosso modo on va avoir 10 courses. Donc ça va être assez intéressant je pense. On voulait faire de l'IndyCar encore une fois, je suis désolé, mais effectivement bah, y a personne sur les serveurs pour faire de l'IndyCar, donc on peut pas faire d'IndyCar aussi à mon grand regret. Donc c'est comme ça, écoutez, on va commencer déjà avec la petite Truck Series. On se retrouve tout de suite au Texas en qualification directement. On a 2 tours lancés évidemment et vous allez voir juste en bas là où il y a le 4, le rapport et puis la vitesse, que j'ai une petite lumière rouge qui s'allume au milieu. Et effectivement j'ai ma pédale de frein qui a été que j'ai mal étalonné. Du coup on vient de toucher le mur une première fois, un petit contact pas incroyable. J'essaie de résoudre ça en mettant un gros coup de frein pour essayer de le faire disparaître, mais rien n'y fait. J'ai mal étalonné la pédale et du coup en fait j'ai un léger filet de frein, ce qui fait que je suis très très lent et que dans les virages bah, je peux pas bien prendre le virage puisque j'ai un pied sur le frein. Donc c'est très très compliqué. Dernier tour pour cette qualification, on va quand même essayer de signer un temps, ce serait bien. Vous voyez que voilà, j'ai beaucoup de sous-virages en milieu de virage alors que effectivement normalement ça passe à fond en qualif. Et regardez, hop, deuxième fois qu'on touche et alors là, boum. Allez hop, on s'est pris une frontale comme on dit dans le jargon. Là on a eu assez mal. Donc pas de temps de qualification. Pas de temps de qualification pour nous, on va revoir ça évidemment. Alors vous allez voir, hein, franchement je pense que le format que j'ai trouvé, alors c'est, on va revoir à peu près, on va revoir la course hein, évidemment, mais vous allez voir que le format est franchement je pense très très sympa. En tout cas moi je suis très satisfait avec, j'espère qu'il vous plaira évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça a donné. Alors pour la qualification, voici un petit peu le eh bien, la grille de départ. On va partir dernier, je crois qu'on est 23 il me semble sur la course, on est 23. Il me semble qu'il y avait un petit peu plus de monde, mais je crois qu'il y avait une cinquantaine de personnes, donc du coup ça a dû splitter. Je sais pas si on est dans le premier split ou dans le deuxième. Encore une fois, c'est des choses que bon, je voilà. Vous voyez que ça roule quand même très très proche. Ça roule en moyenne en 30 quelque chose. Très clairement sur les entraînements, j'étais pas loin. J'étais quand même pas trop mal. En termes de best lap, je pense que pouvoir me mettre aux alentours du milieu de grille. Voilà, 40 tours au programme cet après-midi, ça va être vraiment vraiment stylé. On se retrouve pour l'intro. Et le fil de Sellers pour le départ de cette course au Texas. Pour nous, c'est un petit peu la première course. Alors là, évidemment, si vous n'avez pas vu l'introduction sur le programme iRacing 2018, grosso modo, je vous conseille d'aller la voir tout premièrement. Et vous allez voir que effectivement, j'ai mis quelques images parce que en fait, j'ai fait plusieurs courses pour un petit peu jauger, voir si pouvait y avoir du spectacle, etc. Et très clairement, on va avoir énormément de spectacles sur cette saison. Je vous le dis tout de suite, sachant que la prochaine course, c'est Bristol. Et Bristol, c'est un short track. Il va y avoir forcément de la casse, du portière contre portière, et vous allez voir que ça va être assez intéressant je pense. Bref, pour l'heure on se retrouve donc eh bien assez loin sur la grille de départ. On est on est la voiture rouge avec le gros RC sur le coffre hein, très clairement, avec le numéro 12. On est le numéro 12, donc on est au milieu du plateau on va dire en termes de rating, donc on est pas trop trop mauvais. On va voir ce que ça va donner. En tout cas on va partir d'ici quelques instants pour 40 tours ici au Texas. Ça promet de donner quelque chose d'assez intéressant. Green, 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 boogity, 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 c'est parti, let's go racing les enfants. On est parti pour eh bien 40 tours, ça y est, le départ est donné. Il va falloir, on est sur la bonne ligne hein, très clairement on est à l'intérieur, donc ça c'est un vrai avantage dès le départ. On est vraiment bien et maintenant on va pouvoir être pied au plancher pour prendre la speed. Et alors ici sur le Texas, sur les speedways en règle générale, le draft c'est pas vraiment conseillé. C'est pas comme sur les super speedways où là effectivement on est pare-choc contre pare-choc, parce que là vous voyez qu'il faut relâcher légèrement en entrée de virage, laisser rouler la voiture, placer la voiture et puis remettre le pied à fond pour ne plus le lâcher jusqu'à la sortie du virage et jusqu'au prochain virage évidemment. Mais pour l'instant en tout cas on se fait légèrement décrocher par Zachary, par le petit Lucas devant. C'est assez chaud, faut rester au contact évidemment. On relâche ici tranquillement, on place la voiture et on réaccélère. Alors évidemment il va y avoir une dégradation des pneus, va falloir attendre les premiers drapeaux jaunes pour pouvoir peut-être rentrer. Très clairement sur les entraînements c'était vraiment compliqué de faire tenir la voiture.
Au-delà de... au bout de 7 tours déjà ça commençait à être compliqué, et après on va dire qu'au bout de 15 tours c'était vraiment vraiment tendu, et fallait avoir vraiment de l'expérience sur Oval pour, avec ces voitures pour pouvoir les faire tenir. Le field qui passe, on est en train de commencer notre deuxième tour si je ne m'abuse. Bah écoutez, pour l'instant on est plutôt bien placé, on reste quand même dans la speed d'une, de la numéro 8 qui est devant nous, de Zachary Lucas, donc on est plutôt bien. Attention tout de même à la rose. Oh là, attention devant, je crois que ça a failli se mettre dans le tas, ça se décale dans tous les sens. Attention, ça a créé un 3 wide et on est revenu évidemment très très fort. On a déjà mis à 0,9 Jerry Petrovski pour le moment. Attention avec la numéro 17, la voiture rose bonbon, là c'est très très chaud. Là c'est très très chaud parce qu'on peut vite se prendre dans un accident et ça peut être vraiment compliqué pour nous. On se retrouve au quatrième tour déjà, on est à hauteur de Zachary et on est à l'extérieur. Et voyez, à l'extérieur la ligne ne marche mais alors vraiment pas du tout. C'est vraiment très compliqué d'être à l'extérieur. On va tenter eh bien justement d'essayer de, bah de du coup de le bump drafter, de lui dire Coco avance un petit peu pour essayer de rattraper la rose, parce qu'effectivement bah du coup il a dû faire une manœuvre un peu défensive et c'était compliqué. Et regardez derrière la numéro 20, la Monster Energy qui est en train de revenir sur nous. Et on commence à klaxonner un petit peu, donc va falloir essayer de trouver l'ouverture sur la... Oh, 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 on est passé. Ah là, on est cul par choc contre par choc, comme on dit. Et regardez la numéro 20 qui se place tout de suite à l'intérieur pour nous mettre la pression. On va se recaler tout de suite à l'intérieur. On est bien. On est sur la ligne du bas. Maintenant, va falloir essayer de passer la 8, de le pousser à la faute, de le faire conduire en regardant le rétroviseur. Allez, attention ici, encore une fois on va prendre un petit peu plus large en entrée pour repiquer à l'intérieur et avoir peut-être un petit surplus de vitesse de pointe à l'entrée du virage numéro 1 justement. Est-ce qu'on va réussir à faire cette technique là? Ouais, ça me paraît compliqué, on est un petit peu loin pour le moment, mais on est quand même très proche de la numéro 8 qui a plus à s'occuper de ce qui se passe derrière lui que devant. Et regardez la numéro 8 qui plonge bien à l'intérieur justement en entrée, et on va essayer justement, et bien regardez voilà, il a fait la faute et on va passer. Ouh, bon là c'était très très chaud, c'était très très chaud effectivement. Il a plongé à l'intérieur beaucoup trop tôt à la corde et du coup ça lui a valu pas mal de sous-virages sur la deuxième partie du virage, et du coup on a pu passer sur et bien la numéro 8. Et maintenant on a réussi à la 20 aussi a d'ailleurs réussi à passer la numéro 8 en entrée de virage sur le virage 3. Et alors du coup où est-ce qu'on en est maintenant? Faut essayer d'aller chercher la numéro 17. Attention à la numéro 20 qui est très très agressive justement sur ces hoops là. Attention à la numéro 8 et à la numéro 20, ça pourrait se faire. Et regardez tout de suite, et on s'est retrouvé à hauteur de la numéro 17, c'était très très bien. Et bien regardez, on est plutôt pas mal sur cette entame de course. Par contre pour aller chercher la suite du peloton ça va être vraiment compliqué. Attention à la numéro 17, à la 20 qui s'infiltre à l'intérieur, c'est en train de passer pour la numéro 20. Et la numéro 20 qui est clairement plus rapide que nous, je pense qu'on va essayer de la laisser passer et de jouer justement l'aspiration avec lui, ça pourrait être intéressant. Attention, la numéro 17 qui a touché le mur derrière, la numéro 8 qui a perdu pas mal de place. Et regardez, par l'extérieur, c'est vraiment compliqué de tenir la voiture. Attention à la numéro 17 qui va se mettre à notre hauteur. Oh, c'était très très chaud. Et regardez là, on est avec Eric Moreau derrière dans la 17, Jerry Petrovski pour l'instant. Et attention derrière, on peut pas trop se rabattre. Attention derrière évidemment, ce que ça va donner, ça touche. Et c'est le tête à queue pour Eric Moreau, la numéro 17 qui a failli se faire cartonner à l'arrière. Et ça va être un drapeau jaune, premier yellow flag. Et oui, je vous le disais en introduction du programme iRacing de la vidéo de vendredi dernier, on est en classe C et cette fois-ci nous avons avec nous les drapeaux jaunes et donc la stratégie des arrêts au stand évidemment pour remettre des pneus et remettre peut-être de l'essence. Mais comme on est en setup fixe, c'est-à-dire que tout le monde a le même setup, ce qui facilite grandement la tâche quand tu connais rien au réglage d'ovale par exemple, et bien du coup on va pouvoir remettre de l'essence, on va pouvoir remettre des pneus, surtout des pneus, l'essence en règle générale on part avec le plein, donc on va jusqu'au bout de la course, hein, c'est que 40 tours, c'est pas 200 tours, c'est pas des courses IRL à distance de course. Enfin bref, pour le coup on va revoir ce qui s'est passé évidemment. Alors effectivement, est-ce que c'est la faute d'Eric Moreau? Est-ce que c'est la faute de la numéro 8? Oh là là, ouais. Je sais pas, je pense qu'il y a eu mésentente très clairement. Eric Moreau qui était un petit peu, qui est redescendu un petit peu en fait sur l'ovale, on va voir depuis la numéro 8. La numéro 8, ah la numéro 8 a légèrement touché le bas du banking, ce qui l'a fait sous-virer et ce qui lui a fait rentrer dans Eric Moreau. Et regardez, tout le monde est rentré au stand, tout le monde est en train de piter. C'est l'heure de piter et regardez, on a des belles animations pour... alors c'est que pour l'ovale pour le moment, les mécaniciens qui changent donc les pneus.
5 écrous par roue, alors que la numéro 19 est en train de faire des marches arrière pour justement essayer de se placer avec ses mécaniciens. C'est très compliqué parce qu'on perd énormément de temps si on se passe très mal sur l'emplacement. Allez, on va repartir derrière la numéro 20, qui était justement légèrement devant nous, et on a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave puisque je vous rappelle qu'on est sous régime de voiture de sécurité. Tranquillement, le fil de tout le monde s'est arrêté, hein, très clairement, tout le monde s'est arrêté pour remettre des gommes neuves. On avait déjà bouclé pas mal de tours et on va se retrouver pour la relance. Allez, tout le monde s'est mis en deux files. Et on nous a donné la file extérieure, donc on nous a donné l'outside. Et l'outside, c'est pas ce que j'aime, surtout sur ce circuit, très clairement. Au Texas, c'est vraiment compliqué de partir de l'outside. Donc très clairement, je pense qu'on va laisser passer la numéro 20, entre guillemets, escaler dans son aspi tout de suite à la relance. Faut-il encore qu'il fasse une bonne relance. On est donc au tour numéro 12 déjà. 12e tour de course, et c'est parti. Green, green, green. Et oulala, et devant, ça a mis énormément de temps à ce... Oh, attention à Eric Moreau qui va nous doubler. Allez, ça c'est interdit, monsieur. C'est interdit, monsieur Moreau, de faire ça. C'est pénalisé. Ça, c'est un stop and go. On n'a pas le droit de doubler avant la ligne de départ arrivée, normalement. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas le droit de passer à l'intérieur, en fait. Donc, effectivement, devant, ça s'est endormi. Et du coup, ça a été très compliqué. On a perdu le contact avec le paquet devant. Et attention aux relances parce que c'est toujours très, très explosif, surtout en truck series. Oh, attention, devant, c'est parti. Oh, devant, c'est parti, tête à queue. Et ça va aller se coller contre le mur. Yellow flag, deuxième flag. Alors, très clairement, là, on va pas jouer, évidemment, l'arrêt au stand, hein. On vient à peine de piter, donc c'est pas la peine de s'arrêter. Donc on a peut-être gagné une place sur l'affaire. Je pense que Jerry Petrovski effectivement est passé derrière avec cette relance très calamiteuse de la part de je ne sais plus qui c'était. C'était assez compliqué. On va revoir évidemment ce qui s'est passé, hein, sur cet incident. À la relance, c'est toujours très très compliqué. Regardez. Et effectivement, un peu de sous-virage de la numéro 2 ou 21, je crois. Et la numéro 3 qui se retrouve dans le mur. Alors, pas trop de dégâts, je pense, pour la numéro 3. Et regardez à l'intérieur, ouais, sous-virage. Sous-virage, c'est fini. La 3 qui essaie de passer par l'XT. Et c'est fini. Et je pense que ouais, c'était assez compliqué. On se retrouve donc pour la relance après ce deuxième yellow. Deuxième yellow, 16e tour, et la relance va repartir. Allez, cette fois-ci, il faut essayer de prendre un... C'est au vert, hein, qu'on s'élance. Et le field reprend, green, 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 boogity, boogity, c'est reparti, let's go racing. Et on a pris un envol plutôt correct, on va dire, pour l'instant, pour le moment. Alors, on se retrouve à hauteur de Rachel Hunt. Rachel Hunt, qui a un high rating légèrement plus fort que le nôtre, hein. Numéro 5, on se cale juste derrière elle pour tenter d'aller chercher, eh bien... Encore une fois l'aspiration, et on va voir comment on se décante devant. Attention tout de même au futur yellow flag ou ce genre de choses. Et c'est reparti devant. Exactement la même que tout à l'heure. Attention à éviter la voiture. Vache. C'était Marc Phobos, la numéro 14, qui est partie en semi tête à queue. Et troisième yellow flag. Bah écoutez, on est bien parti, hein, dans cette histoire là. Il y a pas mal de flags. Alors, on va revoir ce qui s'est passé, effectivement. Je pense que c'est la même chose que le yellow de juste avant, effectivement. Et bah, c'est un petit peu la même histoire qu'avec Eric Moreau, je crois. Où, effectivement, la voiture à l'intérieur a légèrement touché le banking, la fin du banking en bas. Et du coup, s'est retrouvé à faire un petit peu de sous-virage et à tamponner l'arrière d'une autre voiture. On se retrouve pour la relance de ce deuxième yellow. Déjà, ça fait le deuxième, hein. Troisième yellow. Allez, Pesca Racing. Green, 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 c'est reparti. Et la relance a été faite un peu à la va-vite, j'ai l'impression. En tout cas, on a pris une bonne relance. On a réussi à dépasser Rachel Hunt, justement, sur cette relance. Donc, tant mieux. On se retrouve derrière Brad Nuspel, la numéro 21, qui, d'ailleurs, était partie en tête à queue, ou avait fait partir en tête à queue, me semble-t-il. On est 9e pour le moment. Je vous rappelle qu'on partait de très, très loin. On partait presque dernier sur la grille. Et on est 9e pour le moment. Donc, ça, c'est très, très bien. Très 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 bien, on est vraiment pas trop mal. Attention ici, évidemment, on relâche, on réaccélère, on remet le pied sur le gaz. Et regardez, ça y est, on a pris le rythme. On est bien 22e tour de course, on a passé la mi-course. Est-ce qu'on va pouvoir aller attaquer Brad Nuspel? Ça me paraît un peu présomptueux. On va évidemment essayer de rester un petit peu en arrière. Ça sert à rien d'attaquer comme ça, faut être patient en NASCAR. Et regardez, évidemment, voilà, ça s'est mis un petit peu dans tous les sens. Attention à droite, là-bas, ça va peut-être toucher sur le mur. La numéro 16, oh là là, ça se redécale, c'était très compliqué. Il est en bout de souffle en termes de sous-virage, très clairement. Oh là là, c'est chaud. Et regardez, oh, on est un peu sur l'extérieur. Ouh, ça va être compliqué d'aller rechercher l'intérieur. Attention, il y a deux voitures derrière nous qui sont en train de manger à l'intérieur. Oh là là, ça va être chaud. Oh, regardez, le field est très très compact. Oh là là, et là, je peux vous dire qu'il faut regarder à gauche, à droite, devant, derrière. C'est très très compliqué.
Et pour l'instant, on est plutôt bien placé. Derrière nous, c'est donc Rachel Hunt. Pour le moment, la numéro 5. Et regardez, ouh, c'est parti à l'extérieur. Oh, attention à la numéro 16, encore une fois. Et on va se faire dépasser par pas mal de voitures. On a eu un léger car contact avec la numéro 9 de David Hodgen. Et pour le moment, la numéro 20 qui tente de repasser. On se retrouve encore une fois. On nous a poussé, entre guillemets, légèrement à l'extérieur. On nous a poussé à prendre la... Oh, le car derrière, c'est le crash. Une voiture sur le toit, yellow flag, quatrième yellow flag. Qu'est-ce qui s'est passé? Trois voitures sur le carreau, Eric Moreau dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, oui, non, ils étaient presque à quatre fronts là, ça c'est pas possible. Et du coup, petite touchette de la verte sur Eric Moreau qui emporte trois voitures avec lui. Oh là 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 là, oh, oh quel crash. Quel crash, la numéro 7, la numéro 17 qui est pas pour grand-chose. En fait, c'est cette voiture-là, Eric Moreau qui passe, léger contact avec la numéro 6. Et Eric Moreau qui se fait qui perd un peu de vitesse et du coup de derrière et bah forcément c'est le carton et il y a une malheureuse numéro 7 qui est rentrée dans le tas. Et regardez, c'est l'heure de piter. Et oui on est au-delà de la mi-course. Et là, je pense que on va mettre les pneus pour jusqu'à la fin. Hein. Très clairement, tout le monde est rentré. À mon avis, on va mettre les pneus jusqu'à la fin. Alors, la numéro 19 qui a les mêmes problèmes que qu'au premier stop. Allez, la numéro 12, c'est la nôtre. On va essayer de repartir assez rapidement. Ça serait bien. Et la numéro 20, encore une fois. Et on a du mal à repartir. Et la numéro 20 qui repart. On va se retrouver peut-être à hauteur de la numéro 9. Non, la 9 qui est devant. Et on se retrouve juste derrière je ne sais plus qui. En tout cas, voilà, le fil de repart tranquillement. Et on va bientôt se retrouver, évidemment, pour la relance après ce quatrième ou cinquième flag. Allez, on est sur la relance, évidemment. D'ailleurs, faudra à l'avenir... Alors, le format est encore va continuellement s'améliorer. Je tiens à vous préciser, évidemment, vous aurez plus d'informations au fur et à mesure des courses. C'est juste que, voilà, je découvre un petit peu en même temps que vous ce genre de choses. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce soit plus digeste, évidemment, le mieux possible. Green, 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 on s'est fait complètement avoir sur la relance. C'est reparti. Allez, on est pour l'instant 12ème. Et ben, on a perdu quelques places hein, depuis quelques relances. On se retrouve derrière Michael Dorsey qui s'était fait mettre dehors pour le deuxième yellow, me semble-t-il. Et regardez, ouais, le field est vraiment très très compact. Alors pour l'instant, on est un petit peu en observation. Notre voiture n'a rien eu pour le moment. Attention évidemment derrière à Matthew Edson, qui pourrait revenir très très fort. Et regardez sur les phases où effectivement on... Sur les fins de virage, on est vraiment pas trop mal placé. Attention évidemment derrière. Oh là là, c'est chaud. Ah, ça va nous faire obliger à aller sur la ligne du haut. Et regardez, c'est Matthew Edison qui a deux reprises dans ce virage-là, dans le deuxième virage, pardon, fin du premier grand virage. Deuxième virage, parce qu'un ovale en comporte 4 évidemment. Oui, ça tombe sous le sens. La numéro 16 qui par deux fois est allée au large. Et regardez, oh là là, on est en train de perdre énormément de place. Quand je vous disais que la ligne du haut est très compliquée à tenir, très très difficile. Et quand on débute avec ces trucks, c'est vraiment compliqué. Attention à la numéro 9 qui avait mis, je crois, une voiture dehors aussi. Vous voyez que le field est quand même très loin d'être sage. Pour l'instant, ça va. Ouh c'est chaud devant, ouh peu là, ça va partir, ça part, la numéro 20 en tête à queue et on se la prend. Oh la vache, et devant ça repart en tête à queue, oh là là, attention. Oh, Moïse Gaming, appelez-moi Moïse Gaming, c'est bon, c'est fait, oh la vache. Ouh. Oh la vache, oh il y a combien de... Oh c'est un big one, on va revoir ce qui s'est passé évidemment. Parce que alors là, très clairement, on n'a pas pu faire grand chose pour éviter la numéro 20. La Monster Energy qui repique à l'intérieur et la 8 qui la pousse et qui la fait partir en tête à queue. Et regardez au ralenti, ça s'écrase contre le mur et là on peut rien faire. On ne peut pas l'éviter, alors on l'a touché. Alors évidemment, ça a été très compliqué. Et devant, ça s'est mis en tête à queue. Alors que derrière, deux voitures vont s'encastrer dans la numéro 20 alors que la numéro 9 fait la toupie. Et devant, regardez, il y a un nombre de toupies pour nous. Oh là là, on est passé juste devant une voiture et deux autres qui étaient en écart. Oh là là. On a eu énormément de chance, mais malheureusement, je pense qu'on a perdu un bon gros bout de carrosserie sur l'histoire. Et du coup, on se retrouve pour la pit lane qui est open et on est au 33e tour. Très clairement, on va reprendre la course pour 5 tours, grosso modo, donc ça sert un petit peu à rien. Je me suis dit que ça servait à rien d'aller au box. On va perdre énormément de temps en termes de réparation. On risque d'être one lap down. Va pas y avoir forcément de nouveau yellow. Et en fait, s'il y a un nouveau yellow, eh bien, on finira sur le yellow. Et ça sert à rien du coup de s'arrêter en termes de stratégie. Donc effectivement, je préfère avoir une voiture un petit peu cassée, quitte à perdre quelques positions, avoir un yellow à la limite pour finir la course.
qui est une ou deux voitures sur le carreau. Et regardez, on a perdu énormément de vitesse de pointe. C'est très compliqué pour nous. Et du coup, on se retrouve presque à la 11e place limite, puisque Ben derrière nous, la numéro 23, va venir nous dépasser incessamment sous peu. Mais effectivement, on se retrouve presque en dernière position. Derrière, évidemment, c'est des retardataires plus qu'autre chose. Donc, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est la course, la numéro 2 qui vient de dépasser la numéro 1, toujours en tête de cette course. Et regardez, il reste plus grand monde, hein. Très clairement, il reste plus grand monde, à part deux pecnos derrière qui sont en train de se battre. Et on est 11e, et on fera malheureusement pas grand chose de mieux pour cette course. Mais écoutez, c'est tout de même pas mal. Ah oui, on a pas mal de sous-virages, c'est vraiment compliqué, et on se fait laminer en termes de vitesse de pointe, c'est vraiment compliqué. Attention devant, on pourrait peut-être gagner une place, évidemment, hein, s'il y a un crash, on ne sait jamais, la 18 qui est là, attention tout de même, ça peut encore gagner quelques positions entre la 15, la 18, la 22 en observateur devant, et il y a la 5 qui est en train de prendre la spie à la numéro 9, la 15 qui est à l'intérieur, mieux placée, la 22 qui va essayer de s'infiltrer sur la numéro 18 qui est à l'extérieur, et du coup quand t'es à l'extérieur c'est très compliqué, c'est passé pour la numéro 18. Et en tête de la course toujours, il va rester quelques tours, ça se décale un petit peu derrière, attention tout de même, ah oui, au changement de ligne, ça pourrait être dangereux. Et tout de suite la... C'est la numéro combien ? C'est la 15 qui met la pression sur la numéro 5. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. La numéro 5, donc Rachel Hunt, qui tente d'aller au bout. Et regardez, on va rentrer dans le 39e tour. 2 laps to go. 2 laps to go, les bros. Et la numéro 1 qui est toujours en tête devant la numéro 4. À mon avis, ça va être compliqué pour la 4 d'aller chercher la victoire. La numéro 3, je crois, ou la numéro 2 était est pour l'instant 3e. Effectivement, c'est la numéro 2. Et regardez la 15 qui tente l'ouverture et qui a trouvé l'ouverture sur Rachel Hunt. Attention tout de même, la 22 qui est pas loin et qui va essayer de pousser, de drafter un petit peu la numéro 15 pour passer sur Rachel Hunt. Ça pourrait être intéressant, peut-être. Ça va passer, on est dans le dernier tour de course. Ça y est, le white flag a été annoncé et a été montré. Et du coup, la numéro 4 va pas pouvoir faire grand chose, malheureusement. Elle est trop loin, la numéro 4, pour aller chercher la victoire. C'est la numéro 1 qui va s'imposer. Oh là là, et bien écoutez, on aura une première course assez intéressante avec pas mal de yellow, pas mal de rebondissements, hein, puisque finalement, on s'en sort plutôt bien. On a été tenu entre guillemets à l'écart et c'est fait. C'est gagné pour la numéro 1 et on va venir prendre la 11e position, puisqu'on est les derniers dans le même tour du leader. C'est fait, 11e position. Bah écoutez, on s'en sort vraiment pas trop mal avec quand même une grosse casse à quelques tours de l'arrivée, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la course. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on s'en sort quand même vraiment pas trop mal, je trouve, pour le coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher des likes, évidemment, si ça vous a plu. Et regardez, voilà le classement de cette course. On prend donc la 11e position. 11e position, et bah écoutez, on est pas trop mal, hein. Franchement on est pas trop mal. Alors je vais pas encore vous montrer le classement général parce qu'il y a énormément de personnes qui disputent cette série, donc c'est compliqué, je me suis pas encore trouvé, il y a 25 pages pour vous dire, donc je dois être dans le top 2000 grosso modo si vous voulez tout savoir. On a gagné un petit peu d'air rating quand même, on a gagné plus 13, hein, ce qui est rien, et plus 0,05 pardon, sur la licence, ce qui nous permet de conforter un petit peu cette licence C, parce que si on repasse en licence D, on peut plus faire cette série, c'est con. Voilà, bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.